Eh mec, tu vas jamais te douter de ce qui s'est passé ce matin, c'était incroyable. Déjà, tu vois, j'arrive au lycée ce matin, j'ai un feeling, quelque chose va pas, quelque chose va se passer, tu vois. Mais tout va bien, donc bah, je laisse couler, on sait jamais. Hein. Sauf que, au bout d'une heure, je trouve plus mon sac. Genre, je sais pas où il est passé, je ne sais pas où est mon sac. Donc bah, tu vois, je me mets à le chercher parce qu'on sait jamais, hein. Je vais peut-être tomber quelque part, mais pas du tout en fait. Pas du tout. J'ai cherché chaque casier. Chaque endroit dans la cour, chaque petit recoin. Donc bah au bout d'un moment, tu sais, je suis à court d'options, donc je vais chercher sous le béton. Donc voilà, Sous le béton. Ouais, j'ai appelé les gars avec une pelleteuse. On a creusé dans la cour. Voilà, pour on sait jamais, hein, imagine. Enfin, bref. Voilà. Donc je ne le trouve pas et je me dis forcément quelqu'un l'a volé. Tu vois, je l'ai pas perdu. On l'a volé, c'est sûr. Donc là, je me dis, quelqu'un m'a volé mon sac. Et là, je passe en mode investigation. Alors, au début, je demande à des gens dans la cour s'ils l'ont vu, si voilà, s'ils me connaissent. Si, voilà. Personne, aucun indice, rien. Donc, tu vois, je mets mon petit interrogatoire. Là, je prends comme ça les élèves, je les emmène, paf, sur une chaise. Et là, je leur demande, cache comme ça. Nom, prénom, âge, date de naissance. Moi c'est Baptiste. Je m'appelle Fabien. Moi c'est Benoît. J'ai 15 ans et bah je sais pas qu'est-ce que je fous là. Bon, quand est-ce que vous avez pour la dernière fois vu mon sac? J'étais avec mes copains et j'ai rien vu. Non, personne, non. Non, toi t'ouvres pas les yeux en fait. D'accord. Vers 14h j'étais dehors dans la cour. Ouais. Et j'ai cru voir passer quelqu'un. Proche de ton sac d'ailleurs. Il avait un pull rouge. Je réfléchis là. Alors on parle plus. D'accord, donc tu l'as vu pour la dernière fois mon sac avec un mec avec un pull rouge qui courait, c'est ça? Ah, attends, peut-être. Je crois que j'ai vu un mec à poil. Genre il courait, tu vois, comme ça. Et puis il était à poil. Et il a pris ton sac. Il a regardé s'il n'y avait pas des vêtements. Il n'y avait pas de vêtements. Alors bah il l'a jeté dans le noir, tu vois. Et bah, il était à poil. Je sais pas. Un mec à poil. Bah non, mais pourquoi un mec à poil? Est-ce que t'aurais des informations sur ce suspect? Je dirais, il est pas très grand. Genre, tu vois Mimi Mati? Bah voilà. Il est très petit, d'accord. Très bien. Ah ouais, d'accord. En gros, t'as juste questionné les gens dans la cour, quoi. Ouais, bon, c'est pas grave. Tu vois, du coup, j'avais aucun indice. Et donc là, je suis un peu énervé, tu vois. Donc je m'en vais, voilà, j'arrête de demander aux élèves. Sauf qu'il y a un mec qui me cogne à l'épaule comme ça, là, dans le couloir. Donc, bah, tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'il a lui? Je sais pas ce qu'il fait, donc je le suis. Et là, il commence à aller vers la salle de collège. Et là, je me dis, ah, c'est bizarre. Je le suis, comme ça, je le prends en filature. Et là, il rentre dans la salle de collège, je l'ai juste pas où il est. Enfin, je l'ai perdu dans le couloir, tu vois, je sais pas où il est. Alors, je m'approche comme ça, discrètement, de la porte, hein. Petit pas. Je prends un verre comme ça, évidemment j'ai un verre. Là j'écoute une conversation. Et là je comprends pas vraiment ce qu'ils disent et tout, mais ils parlent de sac. Tu vois. Je me dis, forcément, il y a un truc qui va pas avec mon sac. Et donc du coup, comme ça j'attends là, caché contre la porte. Et là j'entends quelqu'un sortir. Du coup, je me pousse. Il y a un mec en costard comme ça, là, super habillé, petite mallette. Il sort. Alors, moi je suis caché, je ne vois pas. Et dès qu'il est parti, je rentre dans la salle. En gros, c'est un professeur qui sortait le cours. Ouais, mais enfin. Bref, oublie. Et du coup, je me dis, ça se trouve, tu vois, ils ont des codes secrets, des informations cachées sur l'ordi. Du coup, là, je fais comme ça, sur l'ordi. J'éteins la lumière. Je fais comme ça. Je pirate le site de l'école. Comme ça, je pirate le satellite de la NASA aussi. Et comme ça, je géolocalise mon casier et mon sac. Non, moi, tu vas juste sur le site de l'école. Oui. Alors, tu vois, comme ça, du coup, j'essaie de trouver où est mon sac, comme ça, là, regardant sur le site internet, où est mon casier, comme ça, là. Là, j'ai trouvé, casier numéro 31, j'ai trouvé mon sac. On fait ça. T'es con ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le casier 31, c'est le tien. C'est pour ça que je. C'est un bon argument. Ah, là, je.
Ok, mais je m'en vais. Je dois finir mon projet pour demain. Mais 13, 31, c'est un... C'est pareil, mec.